Monsieur Denant, de grands fonds sont nécessaires pour pouvoir terminer la construction et livrer le BTUI à la Commission d'État en septembre de cette année 2023. Mais le projet n'a pas de cet argent. Sevelmash ne reçoit que des montants mensuels relativement faibles et il est impossible de prendre un crédit. Alors comment pourrons-nous terminer et livrer le BTUI à la Commission d'État en septembre déjà? Expliquez-nous. En fait, il y a un règlement pour les zones économiques au sujet de la résiliation des contrats et de la démolition des bâtiments inachevés. Tout cela est donc prévu. Certains disent que c'est un peu trop. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peu trop? En fait, certains fonctionnaires aiment parfois prévoir trop de situations éventuelles. Par exemple, une société construisait un bâtiment et en raison de certaines circonstances, elle n'a pas pu faire face à toutes les obligations et a fait faillite. Son bâtiment sera donc démoli. C'est prévu par la loi car il est nécessaire de libérer le terrain pour un autre projet. Nous avons vu ces bâtiments qui seront bientôt démolis. Cependant, ils sont bons, sauf qu'ils ne sont pas terminés. On pourrait les examiner et mettre en service pour certains objectifs. Les bâtiments qui ne peuvent pas être utilisés, peut-être doivent-ils vraiment être démolis. Et notre projet, quand sera-t-il achevé? Approchons-nous d'abord de ce point et puis nous allons voir et prendre une décision. Après tout, il est toujours nécessaire de résoudre beaucoup de questions que je n'exprime pas. Je ne parle ni de ces questions, ni des décisions prises. Cependant, ces questions apparaissent régulièrement. Et personne ne doute qu'elles ont été toutes résolues, parce que dans nos vidéos, vous voyez ce qui se passe à présent sur le chantier. La construction avance quoi qu'il arrive. Je ne vais pas parler de ce qui peut ou ne peut pas être fait en raison de certaines circonstances, mais nous faisons de notre mieux. Le mois de septembre vous fera voir comment toutes les questions sont résolues. Cependant, nous devons lancer notre site de production de moteurs déjà en juin. Je pense que la semaine prochaine, nous allons commencer à déballer l'équipement qui se trouve dans cet atelier pour pouvoir le mettre en place. Pas tout, bien sûr, parce que quelque part, les ouvriers devront terminer l'installation des systèmes de viabilisation antérieure, mais nous allons commencer. Nous allons tout mettre au point. Une partie des biens a déjà été déplacée, c'est-à-dire démontée, emballée et transportée à l'endroit nécessaire. Le travail est en cours, nous le poursuivrons calmement. Car croyez-moi, il y a beaucoup de circonstances et nous ne travaillons pas dans le vide. Il y a des gens impatients, mais il y a également des professionnels adéquats et sains d'esprit qui comprennent la situation. Mais je ne recommanderais à personne de jouer avec une grenade dégoupillée, comme on dit. Il ne faut pas décevoir tant de personnes, surtout dans la situation géopolitique actuelle. Beaucoup me disent que j'ai raison ou au contraire que j'ai tort. Ils peuvent dire n'importe quoi. Mais j'ai déjà noté que l'État est un citoyen. Et les citoyens ont soutenu le projet et investissent. Je ne pense pas que quelqu'un veuille recevoir des réclamations de la part de tant de citoyens. Car il faudra non seulement répondre à ces griefs, mais aussi punir les coupables, ce que personne n'aime faire. Cela signifie que chaque investisseur protège ce projet par son investissement. Car ce grand nombre de personnes ne peuvent pas et ne doivent pas être trompées. Oui, il y avait une pyramide de Ponzi et MLM, et nous avons tous fait un vaccin contre l'investissement en Russie, mais nous allons lentement traiter notre société de tous ces préjugés, et nous n'avons pas d'autre option que celle de faire de ce projet un succès. Nous n'avons pas droit à un autre résultat. Thank you.